Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre un portefeuille et porte-monnaie. Pour le réaliser, nous avons besoin de deux coupons de 45 cm par 18, un pour le tissu principal et un pour la doublure. Pour les poches, un coupon 18 cm par 20, deux coupons 18 cm par 18. Pour la petite poche, un coupon 18 cm par 13. Une fermeture éclair de 18 cm. 60 cm de biais. Un bouton pression. Deux thermocollants pour le tissu principal. Je vais utiliser de la vaseline H630. On va commencer par fixer le thermocollant au tissu principal. Ensuite, on va s'occuper des poches. On va commencer par celle de la fermeture éclair, c'est le coupon 18 cm par 20. On le plie au milieu, envers contre envers. Et on va épingler la fermeture éclair sur le haut de la poche du côté fermé. On passe une couture au point droit et on va utiliser le pied spécial fermeture éclair. Maintenant, on va épingler le biais sur le haut des trois poches. On plie nos coupons au milieu, envers contre envers, et on épingle le biais sur le haut des poches du côté ouvert. On passe une couture et on fait la même chose sur les autres poches. Maintenant, on va épingler la petite poche sur une des grandes poches. On va la placer à 1 cm du bas, comme ceci. On épingle. Et on passe une couture sur le bas de la poche et une couture au milieu.
Maintenant, on va placer les poches sur l'endroit du tissu doublure. On va commencer par celle de la fermeture éclair. La deuxième, on la place à 2 cm de la première. Et la troisième, on la place aussi à 2 cm de la deuxième. On passe une couture au point droit sur le bas des poches et une couture sur la fermeture éclair. On passe une couture sur tout le tour des poches. Maintenant, on va assembler tissu principal et tissu doublure, endroit contre endroit, et on épingle sur tout le tour. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on va laisser une petite ouverture sur le haut pour pouvoir tourner. On coupe l'excès de tissu de la couture et on retourne.
On fait bien de sortir les ongles. On va passer une couture au point droit sur le haut pour fermer la petite ouverture. Maintenant, on va passer à la pose du bouton. Voilà, notre petit portefeuille porte-monnaie a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.